Good afternoon, everybody. Can you hear me? Is the mic well? Yes. How was your night? It seemed that some people were quite late in the night. I will call my panelists. I don't see them in the room, but I think they may be, oh, okay, in a place there. Great. So, we'll have a nice discussion today on the CEO talk, talking about industrial sovereignty. We went through a great crisis. We are just heading from COVID, going through this Ukraine-Russia crisis, and there are big challenges for all our companies, our CEOs. So we'll try to discuss how to face those challenges through some inspirative CEOs that are going through and doing well in the continent. So to speak today, I'll call Mr. Kuseini Dlamini, Chairman of MassMart Holding and Aspen PharmaCare Holdings. Round of applause, please. Okay. Delphine Traore, Regional CEO of Allianz, Mr. Kuseini. Hi, bro. Great, hi. Thank you. Hi, Delphine. And Mr. Abdelaziz Makhloufi, CEO of CHO. So, as I say, many people are fighting for industrial sovereignty. And industrial sovereignty sometimes can be a challenge for competitivity because, yes, it's important to transform locally. It's important to have local value added, but sometimes it can be cost inefficient. Sometimes you can have competitiveness issues, but we have no choice. We need to find ways. And those ways can be having complementary value chains, having more action for competitivity, orienting the industrialization through the demand and not through the offer. So many possibilities are there. And that's what we will try to discuss, specifically in the context of the Africa Continental Free Trade Area that give us a lot of opportunity. So for that, Sorry, I went directly to English, forgetting that it's mixed English in French and French. So my first question will go to Kuseini. Kuseini, you are a great entrepreneur, doing many things across the continent. Your brands are well known, MassMart Holding, Aspen Pharmaceutical. You have been part of many international great groups. Today, we are facing many geopolitical challenges. How in that context, private sector can play its role? How, for you, at your perspective, we can be part of this relaunch and this Africa we want? Thank you very much indeed. That's a very critical question. From a private sector point of view, just to cut through the chase, I think the geopolitical crisis that we are going through have really reinforced the importance of the private sector, especially in Africa. Each geopolitical crisis and global crisis that we have gone through has exposed the weakness and vulnerability of African countries and African economies. And I think going forward, we need to be proactive in terms of planning ahead for the next geopolitical crisis. And we've seen now with the war between Russia and Ukraine, what it has done in terms of food security challenges in Africa. We've seen a spike in food prices. We're seeing the challenge of global inflation rearing its ugly head with very direct and immediate
implications and impacts on ordinary people across the African continent. And the reason for that is that our economies are not as resilient and as strong to be able to withstand the challenges posed by such geopolitical crisis. What then do we have to do in order to position ourselves in the context of the Africa we want? We need to build African economies that are globally competitive, that are resilient, that are strong, that can be able to withstand the next global crisis, whether it's a global health pandemic, which really raised the issues of health security on a global scale, whether it's the issues of geopolitics that we are seeing in Ukraine and Russia, whether it's the issues of climate change. So there is a lot that the private sector can do and must do in Africa in order to position Africa well to navigate any challenge that's coming up from geopolitics. Great. So really competitivity is key. You have talked also about resilience, about really strong action in this environment. So we need to be competitive and we need to be part of the game. I'll ask Mr. Makhloufi, which is CEO of CHO, founder of the Tunisian Olive Group, which is an important group across the continent. Monsieur Makhloufi, je reviens vers vous en posant la question de savoir, sur la base de ce que vient de dire Monsieur Kousseni, comment vous voyez-vous le rôle du secteur privé? C'est une excellente question, réellement. Mais avant de répondre, il est fondamental de revenir sur notre perception de l'Afrique d'aujourd'hui. L'Afrique a deux visages. Un visage fatigué, d'une Afrique portant un fardeau, et un visage souriant, d'une Afrique jeune, enthousiaste et en pleine mutation. C'est un paradoxe assez saisissant. Je ne souhaiterais pas longuement m'attarder sur l'Afrique fatiguée, et je ne vous apprends rien de nouveau concernant les causes. La crise sanitaire, la guerre en Ukraine et ses répercussions sur l'Afrique, l'instabilité politique en nombre de pays et une croissance économique nettement en décélération, entraînant une perte terrible de nouveaux emplois et aussi toutes les conséquences, bien sûr, des conséquences sociales qui en découlent. Et c'est dans ce contexte-là que le secteur privé doit être à la hauteur de ses responsabilités économiques et sociales. Il se doit d'être visionnaire, optimiste et capable de trouver à chaque crise une opportunité. Au sein de CHO, nous essayons toujours de prendre de la distance et de la latitude. L'Afrique est une terre de promesses et de possibilités. En fait, on capitalise sur les atouts de l'Afrique. L'Afrique est jeune, et ça, c'est une tare et une vertu en même temps. Il y a toute une génération décomplexée, ambitieuse, à accompagner et à encadrer, et cela relève de notre responsabilité à tous, en tant qu'acteurs économiques et en tant que locomotive de nos secteurs. Notre jeunesse, elle est instruite et peut créer une valeur ajoutée certaine et contribuer au développement de notre Afrique. Et deuxièmement, l'Afrique est également en passe de gommer les inégalités sociales par l'émergence d'une classe moyenne qui contribue fortement à la consommation de masse et à la création de richesses. Notre Afrique demeure attractive malgré tout. Elle a, pour les investissements directs étrangers, elle a quintuplé en 20 ans. L'Afrique est aujourd'hui consciente de des richesses de ses terres, des compétences de ses jeunes, de la matière grise, et l'Afrique, en comptant sur sa jeunesse pour la transformation de la matière première in-house en Afrique, pour créer de la valeur ajoutée et créer de l'emploi.
Merci, c'est cette Afrique positive, effectivement, cette Afrique visionnaire, optimiste, opportuniste, qu'on veut, qu'on souhaite et qui est, de toute façon, nous n'avons pas le choix si on veut développer l'Afrique. Et c'est l'occasion de jeter la balle à Samba Batili, qui est cet éternel optimiste africain. Samba Batili, président de ADS Group, mais aussi, je pense que c'est la casquette la plus officielle, mais il fait tellement de choses sur le continent que je le dirais, serial entrepreneur, aussi un des acteurs d'Afro Champions. Samba, tu es un éternel Africain optimiste et dans ce contexte, tu as fait beaucoup de choses durant la crise. Aujourd'hui, je sais que tu portes une initiative sur la transformation des commodities en Afrique. Comment, justement, cette initiative peut être une action clé pour la relance et pour la construction de cette Africa que nous souhaitons, the Africa we want? Tu es libre hein, de parler en français ou en anglais. Merci beaucoup. Français ou anglais? Bon, on va faire français. Vas-y. De temps à autre, on va parler en anglais. Bon, merci d'abord de me donner la parole. Merci. On va remercier les organisateurs et tout le public ici qui a fait le déplacement. L'Afrique dont on veut, the Africa we want, c'est un mot, mais c'est un mot qui a besoin vraiment de contenu. Parce que depuis fort longtemps, en Afrique, on aime bavarder. Il faut qu'on voit au-delà du bavardage. Le continent a beaucoup d'atouts. Aujourd'hui, on a la taille critique parce que quand on dépasse le milliard, on doit se prendre au sérieux. Vous avez vu l'Inde, la Chine, quand ils ont dépassé le milliard, ça a constitué un marché attractif. Aujourd'hui, on est plus d'un milliard et on va être 2 milliards bientôt. Il est grand temps pour les Africains quand même de se réveiller, qu'on change nos mentalités. Parce que ce n'est pas compréhensible qu'avec toutes les ressources qu'on a, ressources minières, pétrolières, les terres arables, qu'on continue à avoir la misère en Afrique. Donc, il ne faut pas se plaindre ni de la colonisation, ni de la traite des esclaves. La faute, c'est nous-mêmes, nous les Africains. Il faut qu'on change notre logiciel. Avec tout ce qu'on a, je pense qu'il est grand temps qu'on voit les fondements même de notre économie. On ne peut pas développer un continent quand tout ce qu'on gagne, on le dépense à l'extérieur. Vous parlez tout à l'heure de la crise de l'Ukraine. Ça fait longtemps que nous, en Africa Development Solutions, on parle avec les opérateurs économiques, on parle avec nos dirigeants. On ne peut pas continuer à faire ce qu'on fait depuis 60 ans. On a des terres arables. On peut aujourd'hui focaliser la jeunesse sur l'agriculture. Mais ça nécessite de la planification. On ne peut pas continuer, par exemple, en Afrique de l'Ouest, à importer plus de 5 millions de tonnes de riz. Quand on a des coins comme l'Office du Niger, on a beaucoup de terres arables en Afrique de l'Ouest, on importe 5 millions de tonnes. Quand on sait que rien que les frais d'approche coûtent aujourd'hui plus de $180. $180 qui pourraient aller dans la poche des paysans. Mais il ne faut pas qu'on s'attende à un miracle. Les pays comme la Thaïlande, le Vietnam ne sont pas arrivés là où ils sont aujourd'hui sans qu'il y ait un effort concerté de la part des pouvoirs publics et du secteur privé. OK ? C'est cette symbiose qui manque et ça doit se faire sur des années. On doit planifier sur plusieurs années. Alors qu'en Afrique, on veut faire du surplace. Un gouvernement est élu pour 5 ans, ils veulent résoudre tous les problèmes en 5 ans. Ce n'est pas possible. Le développement se planifie sur plusieurs années. Si on décide que tel pays va se focaliser sur telle chose, et puis tout le monde aussi ne peut pas tout faire. Chaque pays ne peut pas être fort dans un domaine. Il faut qu'on se concerte entre Africains, qu'on décide quel pays va faire quoi. La Côte d'Ivoire, si sa force, c'est l'agriculture, on la focalise sur l'agriculture.
elle va exporter pour les autres. Le Maroc, si c'est sa force, c'est l'industrie parce qu'elle a de l'énergie bon marché. On va la focaliser sur ça. Le Sénégal, le Cap-Vert, si leur force c'est le service, le tourisme, on les focalise sur ça. On est 1,3 milliard. Si on commerce entre nous, d'ici 10 ans, je pense qu'on peut changer la donne. Et ça nécessite aussi de la collaboration entre le secteur privé. Le secteur privé, je suis désolé, on ne travaille pas ensemble. L'Afrique est remplie d'opportunités. On se bat sur des choses qui ne sont pas importantes. Alors qu'il y a tellement à faire que si on travaille chacun 18 heures pendant les 15 prochaines années, on ne pourra pas tout faire. Donc, moi je pense qu'aujourd'hui, il est question qu'on collabore plus que de faire de la compétition. Et aussi, ce que les Américains disent, « Put your money where your mouth is ». Et c'est ce que nous, on fait. Quand on parle de tourisme, nous, on a investi aujourd'hui dans le tourisme au Cap-Vert, on est en train d'investir en Côte d'Ivoire, on a investi en Afrique du Sud, on est en train d'investir au Maroc, on a investi dans la confection. En 2018, vous avez suivi à l'Union africaine, quand on a dit aux chefs d'État, pendant les sommets en Inde, ils portent des tenues africaines et des tenues indiennes, et pendant l'Union africaine, ils portent d'autres tenues. Parce que ça aussi, c'est de l'emploi pour nos designers. Ce costume dont je porte, c'est un designer sud-africain qui l'a fait. Donc, c'est des petites choses que chaque Africain doit faire pour que cette richesse reste en Afrique. Vous voyez, nos amis de l'Union européenne commercent à 70%. Qu'est-ce qui nous empêche de faire au moins 60%? Le reste, 40%, on fait avec le reste du monde parce qu'on vit dans un monde global. Pour qu'il y ait du donner et du recevoir. Merci Samba, je sais que si je te laisse parler, on va passer la nuit ici, il y a un panel présidentiel juste après, donc merci, mais on sent le plaidoyer, effectivement. Bon, Samba est un passionné qui fait beaucoup de choses et effectivement cette promotion des industries africaines, de la culture notamment, et des designers africains, extrêmement important. Changer de logiciel, hein, c'est un peu... des messages clés qui viennent des uns et des autres, la coopération, le travail entre le secteur privé, et je pense que c'est le vrai sens de l'initiative Afro Champions aussi. Je vais passer à Delphine Traoré, qui est la Regional CEO Africa de Allianz, hein, donc une grande actrice du secteur des assurances, mais pas seulement, puisqu'elle occupe différentes hautes fonctions, mais celle-là est la principale. On parle beaucoup d'optimisme, mais bon, optimisme veut dire aussi sécuriser tout cela à travers les assurances. Quel est le rôle des assurances dans cette dynamique de relance, cette dynamique de construction de l'Afrique que nous voulons? Merci à tout le monde d'être là. You can speak in English, if you... Okay, actually. You're fine, we're fine with that. I'll speak back. So thank you for the question. To balance. Okay. Yeah. I have to agree with my brother here. We need to put our money where our mouth is. Exactly. The insurance sector and the financial industry sector in general is here to support the private sector. We're here to support companies like yourselves or any manufacturing on the continent, right? However, there was a lot of discussion on how does this private sector work together. We found that Africa was way too fragmented in general. The insurance industry is revenue about $68 billion a year. Of the $68 billion a year, 10 countries represent 90% of this number. And South Africa alone represents 70% of this number. So try to talk about how do we provide insurance to a company that is a pan-African company with different regulations from one country to the other. So the private sector has a role of collaboration and discussion, and this is what we at Allianz have decided to do. We cannot do this on our own. We need to partner with another insurer that is good at what they do, and we partnered with Sanlam, where we will be creating a joint venture going together. However, the public sector also needs to support the private sector in everything that we're doing to create the Africa we want. It's inconceivable that this continent by 2050 will have 2.5 billion people. Half of them are below 25. When we talk about the African continental trade area, from the latest readings that I've had,
3.4 trillion of borderless market can be created with this. However, our governments are still not open. Although this treaty was signed, we're not progressing in execution, mainly because each country is trying to save the duty revenues that they're making on the ground. We will have four presidents here this afternoon. I think it will be important to ask them why it's not working. They will be here. They need to tell us why it's not working. Knowing that most of the countries, we talk about continental collaboration, but each country is still looking at the revenue of the country in particular. And as long as the continent and the public sector is not enabling the private sector, then we are here for a long while. Great. I think the key word is partnership. You are talking about partnership. Samba talked about, Kuseni talked about, Luffy talked about. You are all talking about partnership. It can be between private and private, private and public, but it's something which is key to build this Africa we want. I will move now again to Kuseni just to talk about how AfCFTA, which is not in the path we want, how it can bring all this together. Thank you very much. I think the AfC, African Continental Free Trade Area Agreement, is a powerful and positive force for good, which is long overdue. And I'm very pleased that many countries, or the majority of African countries, have signed up to it. As a retailer, we are very much impacted by inefficiencies in clearing ports and customs, and the infrastructure backlog and inefficiencies that we see at any given hour. We always have trucks moving, you know, from border to border, transporting goods. So the African Continental Free Trade Area Agreement is a godsend to us, because it will help us in terms of allowing the free and efficient and fast movement of goods from one market to another. And it will also allow us to be able, to the extent possible, and I hope this can happen quicker, free movement of people across the continent. When I was coming here to Abidjan, I had to stop over across five countries in order to get here. And it's just embarrassing, because if I was going to Europe, I was just going to get one direct flight and then stop over in London or New York or wherever. So there's still a lot that needs to be done in terms of really making sure that we've got world-class transport and logistics that work, that we build ports that are super efficient. And we've seen it in Togo, it's already happened in Lomé, and it shows that it can be done. And we need to leverage private-public partnerships that are smart, that deliver, that ensure that we bring in, we crowd in the private sector and its expertise, resources and capabilities, know-how in managing efficient processes to be able to solve the challenges that we have. I think any problem that we have in Africa, I see it as an opportunity for us to innovate faster and also invest aggressively to be able to turn things around. And in order for us to build the Africa we want, we cannot postpone these issues. We cannot defer them to any other time. The time is now for us to really roll our sleeves and engage in terms of making sure that we've got roads, airports, railway lines, and ports that work. We need local governments, regional governments, and national governments that are efficient, that are based on world-class technocrats, that are capable and able to deliver services to ordinary people. And business happens at a local level. If you don't have the local municipality having the right skilled mayor and city manager and right officials, it undermines the competitiveness of businesses. So this is something that is really in the self-enlightened interest of business. It's something that we've got to drive aggressively. It's not just us looking at government. We have to ask ourselves as a private sector, what are we doing to operationalize the African Continental Free Trade Area in the promises that it has? Thank Great. You very okay. much. Great. Talking about this AfCFTA and the importance of innovating, creating new ways of collaborating, and also urging the reforms. Samba, often in the discussion you talk about the need to have complementarity in value chains. Peux-tu justement développer dans ce sens comment justement il est nécessaire d'avoir des complémentarités dans les chaînes de valeur pour pouvoir justement accompagner la mise en œuvre de cette zone de libre-échange continental? C'est pour moi la question. Samba, après. Ah.
OK. Il ne peut pas y avoir de zone de libre-échange si on ne s'assoit pas ensemble pour définir qui va faire quoi dans quel pays. Je prends un exemple. Si vous prenez le cas de l'énergie, chaque pays veut développer sa centrale. Et souvent, il y a des pays qui ne peuvent pas produire de l'énergie moins chère, quel que soit l'argent qu'ils ont. Donc, il faut qu'on arrive à s'asseoir d'abord entre Africains, on décide qui va faire quoi dans tel domaine. On va regarder les domaines prioritaires. Parce qu'on ne peut pas parler de zone de libre-échange si il n'y a pas l'énergie qu'il faut, la logistique qu'il faut. Parce que ça, c'est les bases. C'est-à-dire pour pouvoir créer des industries, pour pouvoir échanger entre nous, on a besoin d'énergie, on a besoin d'infrastructures. Donc, pour faire cela, il faut qu'on se mette d'accord. Par exemple, si demain, le Sénégal qui a du gaz, le Mali n'a pas besoin d'aller investir dans des centrales au fioul lourd. Il suffit qu'on a le WAP, le West African Power. On peut utiliser ces lignes. Le Sénégal produit de l'énergie moins à bon marché et c'est envoyé au Mali. Ça permet au Sénégal d'avoir des revenus et au Mali d'avoir de l'énergie bon marché pour influer sur les facteurs de production, pour pouvoir transformer son coton qui est de bonne qualité pour le reste de l'Afrique. Donc, c'est une question, je pense qu'on fait beaucoup de forums, on vient, on discute, on parle. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se dise, bon voilà, on a nos dirigeants, on a le secteur privé. Les dirigeants, leur rôle, ils mettent les règles. Le secteur privé de chaque pays, on les focalise sur ce qu'on considère être leur avantage comparatif. Mali, ça peut être le coton. Mali, Burkina, Bénin, Égypte, ça peut être le Cotton Belt. La Côte d'Ivoire, Ghana, ça peut être le Cocoa et le Coffee Belt, ainsi de suite. D'autres pays, le tourisme, d'autres pays, les services, les hôpitaux, d'autres pays, l'éducation. Parce que moi, j'ai mal quand on continue tous ici, ceux qui ont un peu d'argent, les enfants vont étudier dehors, c'est de l'argent qui part. Quand on est malade, on va se soigner dehors, c'est de l'argent qui part. Quand on veut faire du shopping, on va à Dubaï ou ailleurs, c'est de l'argent qui part. Alors qu'en Afrique, on peut faire tout ça. Vous avez vu à Abu Dhabi, ils ont amené la Sorbonne à Abu Dhabi. Qu'est-ce qui nous empêche d'amener la Sorbonne à Abidjan ou à Dakar? Ce n'est pas de l'argent qui manque, on dépense des milliards chaque année. Une université top class, ça ne peut pas dépasser 100 millions de dollars. Un hôpital top class, ça ne peut pas dépasser 150 millions. Je pense qu'il y a des modèles hein, qu'on voit, UMCSP, donc, African donc, Leadership il University, faut que Stellenbosch. Qu'on arrive à s'asseoir, il y a assez d'argent en Afrique, on dépense de l'argent de façon pas très organisée, on peut avoir tout ça en Afrique. Prenez les pays, Dubaï il y a 20 ans, moi je suis allé à Dubaï il y a 20 ans, sur Sheikh Zayed Road, vous n'avez que le World Trade Center et puis un ou deux hôtels, il y a 20 ans. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça? C'est qu'on ne se met pas ensemble pour planifier. On est trop court-termiste. Il faut qu'on planifie sur les 15 prochaines années qui va faire quoi. Peut-être que nous, on ne va pas voir les fruits, mais on fait ça pour nos enfants. Et c'est, comme j'ai l'habitude de le dire, si on ne le fait pas, l'Afrique va en souffrir et le monde aussi. Parce qu'on va être 2 milliards. Et quand on va être 2 milliards et que 500 millions de personnes arriveront sur le marché du travail et qui n'ont rien à se mettre sous la dent, ceux qui ont un peu d'argent ici, nos enfants ne vont pas dormir tranquillement. Et merci après, ça va se déplacer en Europe. Ça va se déplacer en Europe parce que quand 500 millions de personnes n'auront rien à se mettre là-dedans, si 100 millions décident de traverser la Méditerranée, aujourd'hui, ils sont des milliers. Mais quand ils vont traverser un million, aucune armée, aucune police ne peut les arrêter. Donc, merci. Le développement de l'Afrique, c'est un problème de l'Afrique et aussi du monde. Donc, nous, les Africains, on doit d'abord se mettre ensemble, donner l'exemple et le reste du monde va nous suivre. Merci, Sambaf. Merci. Très bien dit, applaudissez. Delphine, what are your thoughts on all this AFCFTA and all these issues and the issues Samba is raising about how we need to talk each another and how to bring this Africa we want, how to really make it happen?
I understand his frustration, because I have the same frustration. I don't understand why it takes an industry leader in South Africa, five countries, to come to Côte d'Ivoire. We have an infrastructure issue. I don't understand why a 40-foot container leaving Hamburg, Germany, to Lagos costs $980, but from Accra to Lagos, it costs $1,500. And then we sit here and we complain about, you know, what are we doing among ourselves? Europe wants to come to Africa. They create the direct flight into these continents because they need something from us here. We need to have the same mindset. There is no reason why we should have two flights a day from Paris to Abidjan, and we have no flights a day from Abidjan to Johannesburg. This is I do not understand that. So if we want to create this Africa that we want for our children that are coming in the workforce, it's important for our thought leaders, our governments, to actually want to do it, because everybody is still thinking about their country in the short term and their term in politics. Exactly. Thank you, Delphine. Je pense qu'elle mérite des applaudissements. C'est Abdelaziz. Donc, selon vous, comment, justement, en complémentarité de ce qui a été dit, comment redresser tout ceci pour vraiment accélérer la cadence et arriver à l'Afrique que vous souhaitez, que nous souhaitons tous? D'abord, moi je dirais l'éducation, le renforcement des compétences, le renforcement des capacités. En fait, tout ça, c'est au service de quoi? C'est au service de l'innovation et surtout de l'anticipation. Le monde actuellement change à grande vitesse. L'agilité et la flexibilité permettent de s'adapter à toutes circonstances. La finalité, c'est de transposer à grande échelle ce qu'on sait faire. Vous savez qu'à CHO, dans le cadre de l'innovation et de l'anticipation, on a eu recours à la mise en place de la technologie blockchain, et pour la première fois dans notre activité et dans le secteur. Et c'était bien avant nos amis européens et américains. Bravo. Et là, je vous dis, et sincèrement, les résultats, c'était incroyable, une grande valeur ajoutée à nos produits. Mais pour cela, il fallait premièrement maîtriser la technologie, deuxièmement, faire preuve de créativité, de volonté et d'audace. Troisièmement, faire confiance aux collaborateurs, aux partenaires et à soi-même. Et on peut dire, et on doit être des locomotives, il suffit de s'en donner les moyens et d'y croire. Les opportunités et les possibilités sont là à portée de main, mais il y a des préalables et des conditions sine qua non pour arriver à l'Afrique que nous aspirons. Churchill, Winston Churchill, disait: prenez le changement par la main avant qu'il ne vous prenne par la gorge. L'heure de changement, c'est maintenant. Merci beaucoup. En tout cas, vous l'avez bien entendu, et c'est des plaidoyers qui sont très clairs. Il faut qu'on accélère les choses, il faut qu'on accélère la cadence, il faut qu'on soit innovant, il faut qu'on soit créatif, il faut aussi qu'on collabore entre nous, qu'on ait une planification collective. C'est vrai que les 54 pays du continent ne peuvent chacun devenir un hub de tout. Il faut qu'on se spécialise, il faut qu'on ait des complémentarités de chaînes de valeur, parce qu'on ne peut pas, dans chaque pays, développer toute une industrie. Il faut qu'on ait des choix. Et ça, c'est des sujets importants. Hier, je vous le disais, être entrepreneur champion, ça veut dire ça. C'est des exemples que vous voyez. C'est tous des champions dans leur domaine, mais qui font face à beaucoup de contingences, mais malgré tout, qui sont totalement convaincus qu'ils ont un rôle à jouer pour construire cette Afrique, parce que c'est l'Afrique que nous voulons. Samba, tu as pris le micro, tu voulais dire un dernier mot avant.
Vas-y. J'avais une suggestion. Le CEO Forum, c'est très bien, ça permet au secteur privé, au secteur public, la société civile de se réunir. Ma suggestion serait que pour le prochain CEO Forum, avant qu'on arrive, qu'il y ait des groupes de réflexion pour arriver à ce programme de HUB, que chaque pays puisse décider de faire quelque chose dans ce CFTA ou dans ce HUB, qu'on y travaille, qu'on mette ensemble le secteur privé de chaque pays et le secteur public pour qu'à la prochaine réunion, on puisse décider ensemble pour dire que bon, voilà, les 10 prochaines années, voilà ce sur quoi tel pays et son secteur privé va s'attacher pour faire. Et aussi, tout ce qui est bailleur de fonds, tout ce qui est banque, tout ce qui est fonds d'investissement, qu'on se mette ensemble, qu'on dise, quand on va définir ces secteurs prioritaires, qu'on s'y mette au travail pour les 10 prochaines années. Parce que on va venir, on va partir, on fait des réunions, c'est bien, des discours, mais à la fin de la journée, il n'y a pas d'action. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à faire, parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui va compter, c'est ce que les gens vont retenir. Je pense que Julien, Frédéric, Florian sont dans la salle, ils ont bien noté tout ça et certainement, ça fera l'objet d'éléments lors du prochain CEO Forum. En tout cas, ce fut un plaisir, c'est des passionnés, on aurait pu passer des heures, malheureusement, il y a encore un panel présidentiel qui nous attend ainsi qu'une cérémonie de clôture, donc nous sommes obligés de nous arrêter là et nous ne pouvons malheureusement pas donner la main à la salle pour des questions, mais bon, je pense que les interactions vont continuer et je pense qu'ils méritent tous des applaudissements, ces champions qui font la fierté de l'Afrique et du nord au sud, de l'est à l'ouest. Merci en tout cas d'avoir partagé ce panel. Et avant de descendre, juste une photo de famille du panel. Comme ça, on libère la salle. Great.